Bon alors, l'aventure Paquet to Cap, c'est parti. Comment ça va se passer? Comment vous le sentez? Un beau soleil pour le départ. On est au complet là, Thibaut, non? On attend d'autres... Ouais, il en manque encore. Il manque encore des partenaires. Là. Des partenaires. Bah ouais, 9h. 9h, on se... Ça fait 2 ans que cette idée m'est venue, mais bon, elle a pris de l'envergure le jour où Thibaut a dit « je te suis ». Il m'a fait rêver. Quand il m'a dit « voilà, je pars avec ma carte bleue, ma tante ». C'est la carte bleue qui t'a fait rêver. Ouais, t'as pris la tienne. Hein. Sur le vélo, ce qu'il y a de particulier, c'est les pneus qui sont renforcés, censés être anti-crevaison. Bon, on a prévu un bon éclairage pour les tunnels, un petit rétroviseur ici. Un bon matelas pour passer des bonnes nuits quand même, ouais, des vêtements chauds pour le nord, de quoi se faire à manger, de quoi vivre en camping. Anthony, il est pas très gris. Non. Toi, je suis sûr que tu en as. Hein. Ah si, moi j'ai pris une chapka de l'armée russe pour le Grand Nord. J'aurais pu m'en passer, mais ça fera de belles photos. Bon ben salut, Bastien Talé, 29 ans. Donc on suit la première étape pour l'ascension jusqu'à Sceaux. Bonjour, je m'appelle Eric Durand et aujourd'hui je viens soutenir Paquet to Cap. Je suis Sébastien Martinez, le papa de Thibaut. Donc Jérôme dit la pipe pour Thibaut. Moi c'est Dimitri Navière, en théorie l'étape c'est Sceaux. Un magnifique vélo, VTT. Hier je me suis envoyé, j'ai acheté des pneus à 7,90€ chez Decathlon pour que ça slick. Salut Guy Trou avec ma magnifique monture. Et voilà, 25 ans. Mais Guy Trou, je connaissais pas, mais c'est un monstre. Et il a le cuir. C'est pas un concert qu'il va faire, hein. c'est l'ascension du Luberon et Long Marin et compagnie. Hein. Il est 59. Non, on peut pas. Oh, il est 9h, je me casse.